Messieurs, Boker Tov, nous allons tout de suite commencer le cours. Nous rappelons que demain, le jeûne de 17 Tammuz, donc nous ferons l'office à 8h moins le quart. Vendredi 14 juillet, je crois que... Vendredi 14 juillet. Non, c'est jeudi. C'est moi qui part avant. Je crois jeudi, c'est 13. Moi, c'est important. C'est pas de mon père. Ici ou pas. Alors, on va faire mercredi, comme ça on compte bien mercredi que jeudi, il y a. C'est ça. Voilà. Sinon, on fait avec nous. De la veille au lendemain. Sinon, voilà, la veille, mercredi, tu viens avec nous. De toute façon, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. Et mercredi, on fait le compte. Mercredi, on fait l'appel. Voilà, c'est ça, mercredi, appel. Et s'il n'y a pas de réponse, alors, on fait c'est avec nous. C'est vous d'abord. Allez, tout de suite, messieurs. Allez, messieurs. Allez, ce matin, on nous propose un petit passage dans la Gemara de Shabbat. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera nous enseigne. L'église, juste à gauche. Amar Rava Bar Zimuna. Im dargatam shel hachachamim badorot harishonim haita keshel bene malachim, hare dargatenu hi keshel bene adam. Il y a une expression qui a été donnée dans la Gemara en nous disant, si tu considères que nos ancêtres sont comme des malachim, sont comme des anges, alors nous, on peut considérer qu'on est comme des hommes. C'est-à-dire que la séparation qui existe entre les premières générations, quand on parle ici des ancêtres, c'est Abraham, Israël et Yaakov, si tu les considères comme des malachim, comme des anges, alors toi, tu peux te considérer comme étant un homme. Ve'im harishonim hayu kibnei adam, maintenant, si toi, tu considères que les premières générations, c'était comme des hommes, c'est-à-dire que finalement, ben, c'est kif-kif, quoi. Abraham, Israël et Yaakov, c'est comme nous. C'est la même chose, non ? On est des hommes, c'est un homme, il n'y a pas de truc. Donc, si toi, tu penses que les anciens, ce sont des hommes, alors toi, kachamorim, alors toi, t'es comme un âne. Ça veut dire que tu dois absolument prendre conscience qu'il y a toute une zone de séparation, d'écart, entre leur niveau à eux et ton niveau à toi. Donc, si toi, tu dis que t'es un homme, alors ça signifie que eux sont comme des anges. Mais si toi, tu considères que eux, c'est des hommes comme toi, alors toi, t'es un âne. Mais il nous dit, mais attention, pas n'importe quel âne. Super âne. Pas un âne, non, Dafka, pas un âne intelligent. Ouais, un âne... Oui, un âne batté. Un âne batté. Un âne bête. Parce qu'on a des ânes fins. On connaît l'histoire de pas mal d'ânes. Hamor Galol. De Rabbi Pinchas Ben Yair. D'accord, il y a l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Il y a pas mal d'ânes comme ça qui avaient une sorte de chorma particulière. Il y avait des ânes qui ne voulaient pas travailler Shabbat. Il y avait des ânes qui ne voulaient pas manger de la récolte qui n'était pas prélevée avec le maaser, etc. Des ânes qui avaient des anges. Il nous dit pas un âne comme ça. Un âne de chez âne, quoi. Rien, de rien. D'accord, donc la séparation d'écart entre les anciennes générations et ta génération à toi, ça n'a rien à voir, tu ne peux pas imaginer. Mais oui, mais ce n'est pas des anges non plus. Ah, une seconde. Attends, un peu. On n'a pas dit qu'il y a des anges. Sten. Tu vas chercher ce qu'on dit. Allélu Hamourim, Allélu Malachim et Dubarkana. On pose la question, on dit, mais quoi, on se compare à des ânes, à des anges, enfin c'est quoi le truc? Quoi, on considère qu'Abraham c'est un ange? D'accord, on considère qu'Abraham et Yaakov c'est des anges, quoi, vraiment des anges, quoi, truc. Et nous, on est vraiment des ânes. En fait, voilà ce qu'il faut comprendre. Kavnat advarim hi shebechol adam yeshne kohot. En réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans chaque individu, il y a deux forces opposées. Chelek elokam imaral, ve chelek agufani. Il y a deux forces opposées. Il y a une force qui est une part divine qui est en nous, une étincelle divine qui est en nous, et l'autre force est la force matérielle qui nous attire vers le bas. Et toute la question est de savoir, toi, est-ce que tu donnes la priorité à la partie de l'étincelle divine qui est en toi? Et du coup, si tu fais tout pour orienter vers ce point-là, tu es comme un ange, parce que la part divine qui est en nous, c'est la part malachique qui est en nous, c'est la part d'ange qui est en nous. Maintenant, si toi, tu donnes plus la priorité à ton côté matériel, alors t'es comme un âne, parce que le mot chamor, c'est pas pour rien qu'il a été choisi, d'accord? C'est que chamor, c'est quoi? C'est la matérialité, d'accord? C'est le chomer, c'est la matière, d'accord? Quand on dit que le Mashiach, il va être sur un âne, en fait, il va pas être sur un âne. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mashiach, il va dominer, il va maîtriser la matière. Voilà. C'est comme ça que le Maharal l'explique. D'accord ? Il est sur la matière. Donc, c'est exactement la même idée ici. Si toi, tu considères que les générations premières sont comme des anges, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont des anges, mais en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que si tu prends conscience qu'ils ont donné toute la priorité dans leur vie à leur côté spirituel, donc ils sont comme des malachim, alors du coup, toi, tu peux dire que tu es comme un homme. Ça veut dire que tu essayes de trouver l'équilibre entre ta force spirituelle, ta force matérielle, mais que tu as conscience qu'eux, ils ont donné toute la puissance au côté spirituel.
Maintenant, si toi, tu penses qu'eux ont juste trouvé un équilibre entre le spirituel et le matériel, c'est-à-dire qu'ils sont des hommes et pas plus, alors sache que toi, comparé à eux, t'es comme un âne. C'est-à-dire que comparé à eux, c'est évident que toi, toute la priorité que tu donnes à ta vie, c'est le côté matériel. Comparé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord, t'as rien à voir avec eux. Donc en réalité, toi, t'es comme un âne. C'est-à-dire que tu donnes la priorité à ton côté matériel et non pas à ton côté spirituel. Donc c'est ça. On n'est pas en train de dire oui, c'est des anges et que pour nous, ce sont des dieux sur terre, etc. C'est pas du tout notre approche. D'accord? Ce sont des hommes. Ce sont des hommes, oui, mais qui ont été capables d'investir toute leur énergie dans la découverte de leur part spirituelle qui était en eux et qui n'ont pas été engloutis par la matière comme nous, on peut l'être dans notre quotidien et que, avec nos petits problèmes de tous les jours. D'accord? Eux étaient capables de se détacher de ça. Donc du coup, ils ressemblaient plus à des anges qu'à des hommes. Nous, on ressemble plus à des hommes qu'à des ânes. D'accord, mais on n'est quand même pas dans la même catégorie. D'accord, on n'est pas comme des anges. Et pourtant, on a quelque chose de supérieur à eux. C'est que c'est nous qui allons recevoir Mashiach. C'est notre génération qui allons recevoir Mashiach. C'est pas sûr que ce soit une grandeur. Oh, tu aurais mieux fait de te taire. Est-ce que c'est pas sûr. C'est aussi une signe de faiblesse. Pas d'accord. Recevoir Mashiach, c'est quoi? Bah oui, parce que eux n'ont pas eu besoin d'avoir le Mashiach. Ils en sont sortis tout seuls. Nous, on a besoin de ça pour s'en sortir. Bon, il n'a rien dit, il tourne. Va à l'achat du jour. À l'achat du jour, Didier Khaled. Vous avez une autre question? On est des ânes battés, tous ici. Ce n'est pas le même monde que nous avons, nous. C'est évident. C'est évident, mais il ne faut pas croire. Même si nous, on est dans la modernité, etc. Mais d'un point de vue spirituel, ils étaient complètement avec tout ce qui était idolâtrie de l'époque, etc. Donc ils étaient hyper ancrés dans la matière aussi. Énormément. Nous, on a quand même un certain niveau de... On est un peu raffiné quand même. D'accord. Eux étaient quand même dans une génération... Quand tu dis eux, c'est qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, quoi. Halakha du jour. Alors on est sur l'halakhot, sur la tefila maintenant, puisqu'on était sur le chazan, etc. On avait parlé de l'importance de lire dans un livre, de ne pas faire par cœur, etc. Là, et maintenant, il nous parle. Tsarich l'Isaer, me'od, me'od. Shelo yedaber be'emtsa kadish o kedusha. Tu dois être particulièrement rigoureux, très très, à ne pas parler ni pendant le kadish, ni pendant la kedusha. Pourquoi il a dit deux fois me'od, me'od? Très très vigilant, parce que déjà, la tuila normale, donc ça déjà, tu dois être vigilant à ne pas parler. Ça, c'est normal. Maintenant, quand c'est le Kaddish et la Kedusha, à plus forte raison que tu dois faire attention à ne pas parler dans ces moments-là. Ouvrons ma vaseder derech eretz, chez Rav Chama, Bachanina, Pagash Beliaou Anavi. Un jour, on nous raconte dans une maseret qui s'appelle Derech Eretz, Rav Chama a rencontré Eliaou Anavi. D'accord? Ils se sont rencontrés comme ça dans la rue. Et il a vu Eliaou Anavi tirer des ânes. D'accord? Des ânes, des chameaux, qu'ils ont chargés à mort, comme ça, énorme. Amarlo Mag Malima Lalou Teounim. Alors le Rav, il voit Eliaou Anavi, il dit, moi, c'est quoi tous ces chameaux-là qui sont derrière toi, chargés à mort? À Marlo, Af, Verogez, les Michem et Saper, Ben Yehéchem et Rabal et Idbarach. Il dit, tout ça, tout ce qui est chargé dans ces chameaux-là, c'est la colère de Dieu qui est chargée dans tous ces chameaux-là, qui va se déverser contre ceux qui parlent à la synagogue. Pendant le Kaddish, pendant la Kedusha, pendant Ishtabach, etc., etc. Donc c'est toute la colère qui va se déverser sur ceux qui parlent, pas les nous, enfin, c'est pas sur nous. Bien sûr. D'accord, non, sur non, ceux non, qui, très très éloignés d'ici, dans d'autres communautés, parlent ailleurs. Non, même pas. Ils sont... Dans le Sefer Hasidim, il est écrit. Maaseh bechassidei chatshera alei chassid acher shemimoto ufanav merokot. C'est assez connu comme histoire. On dit qu'un jour, il y a un chassid qui a vu en rêve un autre chassid, un ami à lui, qui était déjà mort. Et il a vu en rêve, comme ça, une sorte de révélation après sa mort. Et il a vu sa face toute verte, verdâtre, d'accord, un peu comme ça, à couleur. Ouais, exact. À Marlowe, un peu plus terne. Alors il lui a dit, là, ma panéra morikot, il dit, pourquoi t'es verdâtre comme ça? Au Gan Eden, je pensais qu'on était bien. Pourquoi t'es comme ça, tout verdâtre? À Marlowe, mi pénéchaï. Hein, des cas? Mi pénéchaï, ti médaver, véchachaï, chat. Aya Omer va y roulou, birkat maganavot ou veit gadal. Il dit, en fait, c'est la punition que Dieu me réserve parce que j'ai parlé pendant que le chazan faisait soit va y roulou, donc le vendredi soir, le texte après la Amida, là, soit parce que j'ai parlé pendant va y roulou, parce que j'ai aussi parlé pendant la répétition de la Amida et j'ai aussi parlé pendant le Kaddish. Donc ma punition à moi, c'est que ma face, elle soit toute verdâtre comme ça, dans le au Gan Eden. Et le dernier cas, brasseur par groupe de couleurs. Et le dernier cas, c'est dans le midrash, celle-là. Un jour, il y a un chacham qui est mort
et il s'est révélé à son élève en rêve après qu'il soit mort. Vera Atalmit Shaya Lechacham Ketem Bemitzro. Et donc son élève a vu que son maître, qui était là, qui s'est révélé à lui dans son rêve, il a vu qu'il avait une tache sur le front, une tache qu'il n'arrivait pas à enlever. Vea Marlo, ma, mi penema era lechakar. Il lui dit, pourquoi tu as une tache sur le front? Amarlo, mi pene shelo haiti nizar, mi ledaber kesha chazanaya omer kadish. Et là, encore une fois, c'est parce que je ne faisais pas attention à rester silencieux pendant que le chazan faisait le kadish et que je me permettais de parler à mon voisin. Tzarich leizaher baze ben bekadish aneimar beseder atfila, ben bekadish omrim lachar amirat psuketanar, o achar limud divra agada, o mishnayot. Et ce qu'on dit sur le kadish, c'est et le kadish du chazan, qu'on fait pendant la tfila, et le kadish des endeuillés, et le kadish que l'on peut faire après une étude, etc., etc. Donc c'est tous les kadish, c'est le même niveau. Comme le kadish est particulièrement important et qu'on a dit que quand on dit Yeshem et Rabba, Hachem se révèle au peuple d'Israël en disant « Ah, mes enfants, je les aime », etc. Donc si on n'est pas capable de répondre correctement à un kadish, alors du coup, Akadosh Baruch Hu nous laisse comme ça quelques traces sur notre échange. Le rabbi dit « Reste chez toi, c'est mieux ». Messieurs, répondons au kadish.